Lors de son entrée dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ni les holocaustes ni les sacrifices ne te sont agréables. Alors j'ai dit : Je viens, car c'est de moi qu'il s'agit dans le rouleau du livre. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes, de peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien qui ont au cœur la droiture, mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Sensei de Shimaru, qui est très heureux, il me l'a dit, de séjourner parmi vous ces jours-ci, a pensé que ça pouvait vous intéresser de voir quelles sont les techniques les plus importantes des moines bouddhistes zen, et il va vous démontrer la posture de méditation, la façon de marcher en méditation, et quelques autres éléments de leur vie monastique au Japon, puisque vous n'avez pas la possibilité d'aller tous dans un monastère zen, c'est un peu le monastère zen qui vient à vous. Sensei ne parle pas très bien anglais, j'essaierai de mon mieux de traduire les explications qu'il nous donnera. Will you please, Sensei, show us the right attitude for Zazen meditation? La méditation doit commencer par les salutations. This is, if we do like this, in our blood, alkali and acid harmonize in our blood. Backbone straight. And this knees, surely. Là, il est fondamental que les genoux touchent le sol, qu'ils ne soient pas relevés. Vous avez vu qu'il était assis sur un coussin. Le coussin est nécessaire. So, deep, profond, deep. Lift, light down, lift up. La main gauche dans le range soto du zen, la main gauche est sur la main droite. And bit, c'est pas possible. Vous voyez, l'attitude est très droite, le dos est légèrement cambré. Et tout l'effort et toute l'attention est porté sur une sorte d'enracinement dans le ventre. Eyes, 1 meter long flower. Les yeux regardent, ne sont ni complètement fermés, ni le regard en face, ils regardent à peu près 1 mètre devant. C'est possible. For you, how? Vous voyez que la respiration est absolument calme et silencieuse. And no good for no, no, always. Pas de contraction inutile, les épaules doivent être complètement relâchées. And intestine, inside organ, down, down. Et tous les muscles du ventre doivent être décontractés pour donner l'impression que les intestins pèsent vers le bas. No. Push by the head, push the heaven, push the heaven, push the sky.
l'impression que la tête, elle, au contraire, tend vers le haut, pousse vers le ciel, dit-il. By the knees, push the earth, push the ground. Et les genoux poussent la terre, le sol. Alors, voyez l'importance des pouces de la main. Les pouces se joignent. Et c'est en regardant les pouces que le maître peut contrôler l'état intérieur du disciple. Suivant qu'il y a une tension, une contraction ou un relâchement, quelque chose qui n'est pas juste dans les pouces. He must not move. Toujours same posture. Alors, il ne doit pas bouger. L'immobilité doit être parfaite et conservée. Always we must concentrate posture. Posture. We must forget ourselves in our mind. We must forget ourselves. We must. On doit se concentrer dans la posture et s'oublier complètement soi-même. Concentrate to posture, we can forget everything we can forget. So, si on veut pass. Si on veut arrêter les pensées, ce n'est pas possible, mais si on se concentre complètement dans la posture, à ce moment-là, on peut laisser les pensées passer sans s'y arrêter, parce que l'attention est portée sur l'attitude. Our mind harmonizes with universe. Et notre esprit s'harmonise avec l'univers. After Zazen, we must observe. Après avoir gardé un certain le temps nécessaire à la posture de méditation, le moine fait ses mouvements. Et il salue. Doucement, stand up. Et on se lève très lentement. Alors maintenant, Sensei Deshimaru va nous montrer comment est-ce que le maître corrige les défauts de la posture chez un disciple. Shall I sit, Sensei? Please sit down. Très bien. If you want to pardon this kyosaku, if you want to receive kyosaku, you please gassho. Quand un disciple veut être aidé dans sa méditation en recevant un coup de bâton sur l'épaule, il le demande parce qu'il sent que son attention commence à fléchir. When you feel sleeping, or when you are brain complicated, not so quiet. Si on se sent endormi ou si le mental est agité. So. Gassho, gassho, gassho.
monastères au Japon, cette méditation assise, le zazen, se poursuit pendant plusieurs heures tous les jours, et parfois même jour et nuit. Mais, comme ce serait trop dur pour le corps, elle est interrompue par une méditation en marchant, c'est-à-dire que l'état intérieur demeure, mais la posture est différente. Et Sensei va nous montrer cette méditation en marchant. Please, Sensei. Oh. Comme ça. Voyez. À gauche. Droite. La position des mains. Yeah. Et toute l'attention est concentrée dans le pouce. During one blessing, half feet, half feet, half. À chaque respiration correspond un demi-pas. Sensei va partir du pied droit. Les yeux regardent le sol 3 mètres en avant. Comment est-ce que la respiration s'associe au déplacement. Blessings always same zazen times. C'est la même respiration que dans le zazen, c'est-à-dire la méditation en posture assise. Step. Les principes sont les mêmes que pour le zazen en position assise, c'est-à-dire le centre de gravité dans le ventre et la tenue de la colonne vertébrale. Expression, press the intestine. So, yeah. La respiration appuie sur les intestins. J'ai demandé à Sensei Deshimaru de nous chanter le plus important sutra du bouddhisme Mahayana, auquel appartient le bouddhisme tibétain et le bouddhisme japonais, ce qu'on appelle Pragya Paramita Sutra, c'est-à-dire l'enseignement du vide, du dépouillement de tout, qui est la notion centrale. Et je pense que c'est aussi très intéressant pour des moines chrétiens de voir la différence entre le chant grégorien et ce chant des bouddhistes qui s'enracine justement dans le ventre, sur lequel Sensei insistait tellement tout à l'heure. Will you please kindly sing the sutra, Sensei? Dans les siècles des siècles, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
et celui de sa bienheureuse mère. Amen.